Et c'est Tipar. Merci René Ardouardas qui suit, et oui, c'est Tipar exactement. Salut Planeur, first time chat, bienvenue à toi. Planeur qui est super, on va parler de BOS, j'avais adoré cet OS. J'ai l'original, la version 5. Eh ben, putain c'est cool. Eh ouh, qui est daré. Salut monsieur, bienvenue à toi. Il y a plein de gens qui viennent parce que c'est Haiku, BOS, etc. C'est bon ça. Alors je vous remontre. Tiens, je vais vous montrer l'origine de l'image d'intro. Hop, c'est ça. C'est le fameux magazine Login. Alors, je me suis complètement planté, en fait, mercredi dernier. C'est Snoop qui m'a rappelé l'exact ordre des choses. En fait, j'ai raconté de la merde. J'avais oublié que Login, c'était... MMUman, ça fait plaisir de te voir ici. Ça, bon, il n'y a pas de mystère, c'est parce qu'on va parler d'Haiku. Mais alors, du coup... C'est très cool parce que MMUman, alors déjà premièrement si vous ne le... Exactement MMUman, ex Amiga Dream, je sais qu'on est de la même époque. Salut Zoul 9624, oh là là, on a plein de... Oh attends, Planeur qui dit j'ai tous les logins. Alors attends, justement, attends, on va peut-être faire un petit aparté là. S9. BOS, ça vole haut ce truc. Non mais alors j'ai plus les effets sonores, mais non. Alors attends, parce que donc le mercredi, pour ceux qui savent pas, le mercredi, je fais un live qui s'appelle l'Open Bar, dans lequel voilà, c'est un open bar, donc on boit tous ensemble et tout, et puis on parle de trucs anciens, nouveaux, on parle de l'informatique des années 90, de l'évolution, des choses qui se font aujourd'hui, etc. Et je disais mercredi dernier que j'étais à la recherche d'un numéro, et en fait je me suis trompé, j'ai dit que c'était un numéro de login, mais non, en fait c'est pas un numéro de login, c'est un numéro de PC Team, parce que en fait Possy Press, et c'est là le filmois où je voulais te poser une question. Ouais, je sais, on embraye direct, non, mais donc pour les anciens, à l'époque on n'avait pas le légendaire Linux Mag et tous ses dérivés de Diamond Edition. On avait Possy Press qui était initialement le magazine qui faisait Amiga Dream, qui était une grosse boucherie. Enfin voilà, moi j'ai absolument surkiffé Amiga Dream. Amiga Dream qui est devenu Dream, magazine qui parlait un peu de l'informatique alternative, etc. Et Dream qui est devenu Login. Et en fait, là où j'ai raconté de la merde, c'est que en fait Possy Press a eu un autre magazine qui est sorti en parallèle, parce que bah à la fin il faut bien manger, et donc ils ont commencé à faire un magazine orienté Windows qui s'appelait PC Team. Et en fait le tout petit article de Frédéric Péchanski, Fred Pêche, que je cherche depuis des années et des années et des années, ne se trouve pas dans Login, il se trouve dans PC Team. Donc, appel à témoin, je profite du fait qu'il y a des anciens là sur le chat. Je cherche depuis très longtemps un scan, et il n'est pas sur ce site magazine Abandonware, où il y a vraiment des trucs absolument formidables, dont ça. Je cherche le scan d'une page de gauche de PC Team dans lequel il y a un screenshot. L'article est fait par Fred Pêche et c'est une toute petite explication de ce que c'est Linux. Et il y a un screenshot, et je pense que dans le screenshot c'est Afterstep, et il y a plein de trucs qui tournent en même temps, ça m'a rendu ouf. Et c'est ce screenshot qui m'a retourné le cerveau, et du coup je cherche ce magazine depuis très longtemps. Je ne sais pas quel numéro c'est, je sais que ça doit dater de 96,
parce qu'en 97 j'étais déjà complètement retourné et voilà par le libre, donc je sais que ça date de 96. Et en fait, contrairement à ce que j'ai dit mercredi dernier, ce n'est pas Login et donc ce n'est pas Dream, c'est de façon à peu près certaine PC Team. Voilà. Et je crois que la légende, je pense me souvenir que la légende du screenshot, c'était genre Windows 2000 ou un truc comme ça. Ouais, c'est ça, ma rafale. Je cherche l'image pour remettre mon cerveau à l'endroit depuis tout ce temps-là. Ah oui, parce que voilà, depuis tout ce temps-là, je suis complètement retourné et puis j'essaie de me remettre, tu vois, de mes émotions. Alors pourquoi j'ai mis cette pochette là de Login. Alors, d'ailleurs, ça date de quand? Septembre 99. Donc c'est pas non plus bon, c'est un peu vieux, bon voilà. J'ai une question pour toi, le Finnois, c'était toujours dans les parages. Planeur qui dit, ça va pas être facile de trouver ça. Je regarde dans mon stock si j'ai du 96 en PC Team. Oh là là, putain. Et je te jure, si tu me trouves ça, je vais faire quelque chose. Je sais pas quoi, mais il y aura quelque chose. Il y aura quelque chose. Alors, le Finnois. Je sais qu'on est globalement de la même génération. Donc, alors, pour ceux qui joignent le canal et qui connaissent pas, etc., le Finnois, c'est la personne. Je suis désolé, je te vends un peu, mais c'est pour que les gens remettent en perspective pourquoi je te pose cette question. Le Finnois, c'est le créateur, ou en tout cas un des créateurs, mais probablement le créateur principal de Linux Magazine France. Donc, Léa, bonjour à toi. Génération cringe, mais ouais. Oui, je crois qu'on est extrêmement proche en termes de... Ouh, monsieur Niels. Non, mais oui, mais bon, mais c'est pour remettre. C'est pour... Parce que la question que je vais poser est très simple. Hein, c'est pour... Il n'y a pas un truc de ouf. Mais à l'époque de Login et même de Amiga Dream et de Dream... Qu'est-ce que tu faisais? Je suis curieux de savoir, parce que si t'es arrivé... C'est vraiment une vraie question de curiosité, parce que t'es arrivé... Enfin voilà, t'as créé... on en a déjà parlé dans un numéro précédent, la révolution en termes de magazine pour la communauté Linux. Mais j'étais curieux de savoir, est-ce que tu lisais Amiga Dream, Dream, Login, etc. Est-ce que ça a été... On est un peu en mode interview. Est-ce que je suis curieux de savoir, c'est est-ce que ça a été une source d'inspiration ou un truc que tu avais dans le coin de l'esprit où tu disais je veux faire ça, mais genre en vrai, quoi, sans concession, quoi. Voilà. Tu réponds quand tu veux, il n'y a pas de stress. Et si ça te fait chier de répondre, tu me dis, il n'y a aucun problème. Mais en voyant ces magazines-là, etc., je me suis vraiment posé cette question. Qu'est-ce que tu... C'était quoi ton avis sur... Enfin, est-ce que tu les lisais et quel impact ça a eu? Voilà. Vocal Discord avec le Finnois. Peut-être ce serait pas mal de faire ça, un de ces quatre. Je sais pas si on... Je sais qu'on peut faire un dual channel là, avec Twitch. J'avais fait un truc une fois avec Madame Coquille, donc ma femme pour ceux qui savent pas, avec une incrustation qui venait de GT. C'est Rogue One GG, Monsieur Olive. Mais ouais, je ferais bien ça. Je ferais bien un truc avec des invités. Tu vois? Je sais pas encore sur quel thème. Mais des invités. Tu vois, par exemple, ce soir, ouais, c'est l'habitude de faire les lives le samedi. Le mercredi, je veux dire. Mais tu vois là, par exemple, ce serait une super occasion d'avoir Monsieur MMHuman en... Léa qui dit « Et voici le professeur Fomblu !» Oui, bonjour. Alors, les pointeurs. Donc, ouais, non, ça serait cool.
Donc ouais, c'est ça. J'aimerais bien faire un... Ouais, donc MMUN qui est parmi nous. Attends, il y a le film qui répond. Alors, non, même pas trop. Je lisais tantôt Dream, mais surtout les textes de Fred Pesch, forcément, sur le CD. L'élément déclencheur a été Yggdrasil, puis l'ajout de Keops au catalogue Pearl. Joël Bernier, vu que je bossais chez Pearl. Ok. Ouais, mais... Eh ben, franchement, ça serait pas mal. Je sais... Non, on n'a pas le temps de le faire, là. On n'a pas le temps de le faire. Mais ouais, ça serait pas mal ça. J'ai demandé à Miod sur le canal, il m'a envoyé chier, mais genre extrêmement proprement. Salut Rolling Phoenix. Mais voilà, non, ça peut être cool. Parce que, alors typiquement aujourd'hui, je vais parler, donc pour ceux qui ne savent pas, le samedi. Normalement, le samedi à 15h, le live, c'est un live sérieux. Alors, sérieux, on se comprend. Sérieux autant que ça puisse l'être. Disons que c'est un live un peu plus technique. On a parlé de... oui, c'est ça, sérieux entre gros guillemets. Mais on a parlé de comment est foutu un système Linux en profondeur, on a parlé du langage C en profondeur, on a parlé de NetBSD, on a parlé de package source, on a parlé de plein de trucs. Récemment, on a lancé une série sur le réseau, mais sur le fonctionnement vraiment profond de d'une carte réseau avec ton noyau, etc. Hola Tribidon. Donc voilà, normalement le samedi c'est un petit peu plus tech. Attends, Planeur il dit, je viens de regarder, j'ai les PC Team de numéro 15 juillet à numéro 19 décembre. Ils sont sur Armand Noir, ouais, c'est sur Armand Noir, j'ai écumé tout ce qu'il y avait en PC Team et il n'y a pas ce numéro. Non, il va pas être facile, il va pas être facile à avoir. Je ne désespère pas. Alors juste je vous préviens, ce live va pas être très très long parce que aujourd'hui ça va être la première journée où, alors pour ceux qui savent pas, j'ai deux chiens, une petite qui s'appelle Boulette et un gros qui s'appelle Tarzan, en fait ça va être la première journée de Tarzan à la plage, donc on va pas le mettre maintenant parce qu'il fait ultra chaud, mais on va y aller en fin d'après-midi, donc voilà, donc je vais pas rester très 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 longtemps, mais voilà, probablement on va rester là jusqu'à 16h30, un truc comme ça, mais juste pour vous dire que voilà, j'ai prévu de ramener Tarzan à la plage cet après-midi, peut-être que je prendrai des petites vidéos si ça vous dit. Donc l'idée aujourd'hui, c'est, comme je vous ai dit, donc le samedi normalement c'est des sujets un peu plus sérieux. Mais comme c'est les vacances, comme c'est le mois d'août, et qu'il y a moins de monde et que voilà, tout le monde est un peu plus relax dans sa tête, on est un peu moins assidu et tout, j'ai commencé la semaine dernière, donc le 31 juillet, je me suis dit, bah vas-y, on va faire un truc que j'ai envie de faire depuis longtemps. Non mais c'est pas un prétexte, je te jure, Coltrane, c'est vraiment, enfin, il sait pas encore ce qui va lui arriver, mais... je me suis dit, vas-y, on va faire un truc dont on parle depuis très longtemps, c'est je vais essayer avec vous, donc c'est vraiment avec vous, hein. Vous avez vu la semaine dernière, hein, on a essayé Heard avec le succès très relatif que ça a eu, mais j'essaye avec vous des OS dont j'ai toujours entendu parler, mais que j'ai jamais pu essayer, voilà. Et j'ai fait un, c'est pas un sondage, mais j'ai demandé un petit peu sur Twitter qu'est-ce que vous vouliez que j'essaye et tout. Et donc il y a eu Heard évidemment. Et Haiku était complètement en tête de tout ce qu'on m'a demandé. Le Finnois qui dit, les bibliothèques municipales gardent souvent tous les magazines qu'ils reçoivent. Et sinon au pire il y a la BNF. Puisque les éditeurs ont obligation d'envoyer 4 exemplaires de chaque parution.
Non. Triggy qui me demande, t'as essayé le GEM. C'est quoi le GEM? Ah non, oui, l'OS d'Atari. Je pensais que tu parlais de la même chose que le finnois. Ah non, pas encore. Mais oui, moi j'avais un Atari. Donc GEM, je l'ai eu. Mais on peut essayer, on pourrait essayer avec un émulateur. Il y aura pas, ça va pas être ça va pas être ouf ouf hein. GEM, fin de mémoire, c'était pas l'OS le plus compliqué du monde. Et donc vraiment tout en haut de la liste. Alors ça va faire plaisir à MMUman, mais tout en haut de la liste, tout le monde voulait. Enfin, j'ai eu beaucoup de monde qui a demandé qu'on teste Haiku. Haiku, c'est un système duquel j'entends parler depuis des années et des années et des années, en particulier par le biais de MMUman sur Twitter, encore une fois, je vous invite à suivre, et qui m'a, enfin, que j'ai toujours trouvé cool, tu vois. Vous savez bien, vous avez tous vu. Ah, Planeur qui dit GEM pour Amstrad PC 1512. Non. Attends, je savais pas ça. On est très là-dedans, hein, pour ceux qui join et qui connaissent pas le canal. On est très là-dedans, hein, sur les anciens OS, sur un peu la nostalgie des anciens systèmes d'exploitation, etc. C'est pas mal le vibe du canal. Donc si ça vous plaît, je vous invite à vous abonner et à participer surtout, parce que c'est surtout ça qui est cool. Triggy qui dit en fait le GEM c'était plus un desktop manager. Pas faux, qu'un OS. L'OS sur Atari c'était le STOS. T'as raison. Mais le GEM existait sur Amstrad et sur DOS. T'as raison, j'avais oublié ça. Brewster101 qui dit ces icônes BOS sont toujours classieuses, mais c'est clair, c'est clair. Alors, justement, tu vois, moi. Alors tiens, on va aller sur le. Parce que vous allez voir, c'est épique ce que l'article qui est écrit. Voilà. Faut-il passer à BIOS? Faut-il passer à BIOS? Alors, on va pas lire tout l'article, mais je veux juste qu'on voit le début parce que ça explique un petit peu, l'état d'esprit dans lequel on était. Tu vois, à ce moment-là, on est en 99. Hein. Attends, vas-y. L'entreprise demande un prix trop élevé selon Apple, 200 millions de dollars, qui préfère investir. Ah bah oui, le double dans la plateforme Next Step de Steve Jobs. Oui, bah oui. Donc, positionné comme le système de tous les médias, BIOS apparaît surtout comme l'OS alternatif, le plus élégant, dans un monde informatique hélas gangréné par la surconsommation. Depuis sa naissance, le système de BI expérimente des particularités toutes plus intéressantes les unes que les autres et constitue de fait un sujet d'étude irrésistible pour les férus d'informatique. Cependant, son irruption, je lis vite, hein, exprès. Son irruption un petit peu prématurée sur le marché du PC, pour des raisons politiques et financières, fait que BIOS se heurte aujourd'hui à une demande du grand public qu'il ne peut pas encore satisfaire. Ça, je me rappelle de ça. Tout le monde voulait un BIOS, mais genre, il produisait pas. Enfin, une machine BI, parce qu'il faisait des machines, mais il produisait pas assez vite. Là, là, là. À l'heure actuelle, on en vient à s'interroger sur les cibles de ce système et sur son apport prochain. L'histoire de cette aventure informatique commence en 1990, lorsque John Sculley, alors tyrannique président d'Apple, congédie son propre bras droit, le français Jean-Loup Gassé. Le bougre avait déjà sévi par le passé. Quelques années auparavant, Sculley venait à peine d'accéder au poste de CEO proposé par les actionnaires de la pomme, qu'il s'offrit le luxe de remercier Steve Jobs, bien joué, le propre fondateur de la société. Qu'importe, même s'il était responsable du développement, Gassé reconnaît que sa marge de manœuvre demeurait réduite. Par ailleurs, il commençait à détester cette arrogance systématique de l'église Apple, laquelle accorde, on va pas tout lire, hein, je m'arrête juste là, plus d'importance à l'orgueil immobile qu'à la témérité de l'innovation. Sur les traces de Steve Jobs, Jean-Louis Gasset s'en va donc monter sa propre société, afin à son tour de concrétiser les rêves qu'il entreprenait pour Apple. Les similitudes avec Next, l'entreprise créée par Steve Jobs après qu'il eut quitté Cupertino, ne manqueront pas. À quelques années d'intervalle, les deux constructeurs proposent une version améliorée du Macintosh, un Next Cube muni d'un 68040. Hein, on revient sur ce qu'on disait mercredi dernier. À l'époque du Mac 2 et une B-Box pourvue de deux Power PC. Parallèlement,
à l'apparition des premiers Power Mac. Bon, je vous laisse lire la suite hein, si ça vous intéresse. C'est parfaitement lisible sur le site abandonware.org. Mais c'est juste pour vous faire un snapshot de ce qui, de où on est, à quel moment on est. D'accord ? Attends, je remonte un petit peu parce que vous avez parlé pendant ce temps-là. Rolling Phoenix qui dit BOS, il y avait de sacrément bonnes idées. Techniquement, c'était du lourd. Dommage que c'est pas eu que ça n'ait pas fonctionné en termes commerciaux. Bah ouais, on est d'accord. Rancune qui dit c'est appuyé sur quel type de licence BOS. BOS c'était 100% propriétaire. Hein. On va en parler un petit peu là. Je vais vous lire. Ah tiens, Planeur qui connaît un peu le sujet, du coup c'est intéressant là ces interventions. Salut Sonic Boom qui dit salut les friends. À l'époque sur BOS, sur mon Celeron en 1997, je faisais fonctionner ma Sound Blaster 32 et ma carte PCTV. Oh là là. Ce qui me servait à décoder une certaine chaîne, bah oui. On se rappelle tous de XOTV. C'est la première fois que je voyais un système qui me permettait de détourner les entrées-sorties comme le fait aujourd'hui, Jack Audio par exemple. MMUman qui dit désolé, maman hôtel. je connais, je comprends. Je comprends très bien. Brewster 101 qui dit perso, j'ai le souvenir d'un test où on pouvait jouer à plusieurs. On pouvait jouer plusieurs vidéos, absolument. En même temps, ou plusieurs sur les machines asthmatiques de l'époque. On est absolument d'accord. Ouais, je pense que c'est la démo qu'on a tous vue. Qui est, enfin, on était waouh, mais c'est ouf, c'est le système du futur et tout, machin. Triggy qui dit bon je peux pas rester, j'ai des pizzas à faire. Bah vas-y Triggy, t'inquiète, de toute façon celui-là il va. Je sais pas si je les mets sur YouTube celui-là. Ouais peut-être. Ouais je les mettrai peut-être sur YouTube ouais. Bah de toute façon elles sont en replay ici pendant encore je crois 2 mois, un truc comme ça. Sonic Moon il fait oh non ça me refait encore, dès que je me connecte sur le stream 10 000, je voyage dans le temps. Ouais, je les mets sur YouTube, ok. Je vais les mettre. Donc je vous lis, ça va être assez rapide, mais c'est pour l'entrée en matière de Haiku. Donc, le projet Haiku est lancé en 2001 par Michael Phipps à la suite du rachat par Palm. Alors je ne savais pas que c'était Palm qui avait racheté Bee. Le rachat par Palm de la propriété intellectuelle de Bee Incorporated. Incroyable, enfin moi je ne savais pas du tout que c'était Palm, qui d'ailleurs depuis est crevé, qui a acheté Bee. 2 ans plus tard, il crée, donc Michael Phipps, Haiku Incorporated, une association à but non lucratif située à Rochester dans l'état de New York et visant à soutenir le développement du système d'exploitation Haiku. Ah c'est vieux ouais. En 2004, pour éviter d'éventuels... Parce que, en fait, initialement, le projet... Donc, je parle sous la tutelle de MMUman. Si jamais je raconte n'importe quoi, tu me dis. Donc, MMUman qui dit pour rappel, Bee avait décroché un contrat avec Hitachi et Microsoft, a fait en sorte que ça ne boot pas. Ah non, a décroché un contrat avec Hitachi, et Microsoft a fait en sorte que ça ne boot pas. Donc, les gens ne savaient pas qu'ils achetaient BOS avec la machine CF Key Who Controls the Bootloader. Non. Mais quelle bande de pourris. Et bon, on me demande pourquoi je les hais, tu vois. Alors attends. La deck, en fait, ce qui se passe, c'est que initialement, t'as. Donc la deck qui dit je comprends pas la différence entre Bee et Haiku. En fait, initialement. T'as un système d'exploitation qui s'appelle BOS. Et il y a des machines qui vont avec et tout machin. Mais c'est un système propriétaire. Qui est 100% propriétaire. Et lorsque BOS se fait racheter par Palm, t'as quelqu'un, donc Michael Phipps, qui démarre un projet open source clone de BOS qui s'appelle Haiku. D'accord ? Donc c'est un clone open source qui est fait par quelqu'un qui a priori faisait partie de la société Bee initialement.
Non, on me demande pourquoi j'adore les l'histoire des systèmes d'exploitation, etc. C'est que c'est pas juste de la technique. Mais c'est une forme de fork. MMHuman, peut-être que tu peux préciser. Oui, voilà, exactement. Et ça s'appelait OpenBOS. Et après, donc il dit, après on a fait un vote pour trouver le nom. MMHuman, toi qui connais mieux l'histoire, est-ce que c'est un fork? Est-ce que c'est une réimplémentation? Est-ce que c'est du from scratch? Sonic Boom qui dit, je suis arrivé à la bourre, c'est quoi le thème du live aujourd'hui? Le thème c'est, on va essayer Haiku, le système d'exploitation Haiku. Mais je sais pas Léa, justement, je me pose la question. Quand je lis le 1010 Twitch qui dit ça me semblerait être un reverse engineering des binaires. Ah ouais? Ah c'est hardcore. Tu sais MMHuman ou pas? Ah MMHuman, il y avait quelques morceaux de BOS dont on avait le code source. Tracker, le gestionnaire de fichiers, death bar et quelques pilotes. Ok. Mais non, au contraire, la deck. Non, c'est hyper intéressant. La deck qui dit, encore une fois, je fous la merde en posant une question. Mais non, au contraire. Salut, Nith. Coucou à toi aussi. Donc, en gros, il y a des... Donc, si je comprends ce que dit MMHuman, c'est que... Il y a... Alors, je sais pas si c'est un dev BOS, mais en tout cas, je sais qu'MMHuman est là depuis... Enfin, est sur le sujet depuis très très longtemps, mais je ne sais pas à quel point il est impliqué ou pas. Mais bon, vu qu'il dit on, je suppose que... Ah ok, donc oui. Attends, t'es un ex-dev BOS, t'es sérieux? Ah non, mais on a des... On a du lourd, là. Ah la vache! Ah ça claque un peu quand même là. Hein. Donc il y a MMHuman qui dit, alors pour BOS, j'ai pas bossé chez Bi, mais j'ai bossé chez YellowTab, qui a tenté de continuer après que Bi est fermé. Waouh! Ah c'est ça claque! Ah ouais, mais là... Coltrane qui dit le mec il out tout le monde. Mais non, mais c'est charmé. Et MMHuman qui dit avec une interprétation plus ou moins légale de leur contrat de distribution. Ah mais c'est charmé parce que du coup on a du concret quoi, on a du réel, tu vois, là c'est du c'est vrai quoi, c'est pas juste la page Wikipédia que je lis machin, c'est t'as quelqu'un qui était là quoi. Ah ça claque. Donc effectivement comme dit MMHuman, en 2004, pour éviter d'éventuels problèmes de détournement du nom de produit, il a décidé de renommer BOS en Haiku. Il fait référence au Haiku qui était affiché lorsque NetPositive, le navigateur web de BOS, ne pouvait afficher une ressource web demandée parce qu'elle n'existait pas. Voilà. Brewster qui dit au prochain stream from scratch, enfin étoile from scratch, c'est Lénard qui va débarquer. Non, je pense pas. Non, ça c'est peu probable. Ah, il y a Apple Computer qui vient de join. Bonjour Apple Computer, bienvenue à toi. Coltrane qui dit avec des pointures comme ça, sérieusement, faut envisager le vocal, c'est sûr. C'est sûr. Là, voilà. On le pulvérise, mais non, ça sert à rien, ça sert à rien. Hazel qui dit, on va peut-être finalement voir un vrai haïku. Moi, je suis venu juste pour ça. Oui, attends, bouge pas, je finis l'histoire. En plus, voilà quoi, on a quelqu'un qui la connaît vraiment et qui a été dedans quoi, donc c'est spécialement cool là. Donc voilà, 2004, ok, 2005, jusqu'à cette année, un des plus actif développeur d'Haiku, Axel Dorfler, est payé par la communauté et a ainsi pu travailler à temps plein sur le projet. Ça c'est chambé ça. Une de ses premières tâches a été de permettre à Haiku de pouvoir démarrer sur un CD et ainsi de créer un live CD. Ça c'est quand même chambé.
Salut Mortalius FR, bienvenue à toi, first time chat. Je pensais pas que le sujet Haiku allait drainer autant de monde. Je pense que M-Man, tu dois kiffer parce que tu vois, y a un vrai intérêt quoi. Et j'avoue, en ayant lu un petit peu là, je suis vraiment curieux là, j'ai vraiment envie de démarrer là. Léa, qui tu vas avoir quand tu vas faire le test install de Windows, tu vas avoir dev MS ou MS dans le chat. Ah non, ouais, non, arrête. Coultrain qui dit l'expérience prouve que c'est pas gagné contre la conf de Heard, les salauds qui dérivent le débat que nous sommes. Attends. Non mais effectivement, enfin ouais, bah, comme je disais sur Twitter, la bonne chose d'avoir démarré sur Heard, c'est que ça crée un référentiel. Tu vois, on a démarré avec Heard, voilà, ça crée une base. Voilà. Comme ça, après, on sait sur quoi on part. En 2006, Michael Phipps annonce qu'un second développeur sera payé pour travailler à plein temps sur Haiku durant les vacances d'été de juin à août. Il travaillera principalement sur la couche réseau, compatible Bone, la couche réseau de BOS 6, jamais officiellement sortie mais utilisée sous Zeta, je ne sais pas ce qu'est Zeta, et inspirée de la couche BSD, donc c'est forcément quelque chose de qualité. Je suis, comme vous le savez, totalement subjectif. Durant l'été 2007, Haiku profite de la première... Alors ça, j'ai vu ça. Ça, c'est absolument trop la classe. Haiku profite de pour la première fois du Google Summer of Code. Attends. Putain, vous arrêtez pas là. Donc Cool Train, ok. Emmyman, j'ai croisé Tannenbaum un jour et je lui ai suggéré de porter le Userland de Haiku sur Minix, mais il a pas tiqué, ouais, je suis pas surpris. Rancune, une base, le truc en bas, une fondation, voire une cave. En parlant de Heard, bah ouais. La deck, on bombardera le DVMS de fausses Javel en portant des tenues blanches et en criant c'est Windows du virus. Je ne sais pas à quoi tu fais référence. Je lis l'article de Wikipédia France sur Haiku, que j'ai trouvé très bien fait, et qui, enfin voilà, ça permet d'avoir des vraies infos là. Nils qui dit bien vu d'avoir commencé avec Heard, ça ne doit pas pouvoir être pire, peut-être pur Darwin, mais ça reste à voir. Non, c'est... Attends, Emmyman qui dit Zeta, c'est le BOS distribué par YellowTab. Ah, donc, bah du coup, t'as a priori bossé dessus, de ce que je comprends. C'était fort, Heard, ouais, c'était fort. Emmyman qui dit... qui est le BOS R5.1, codename Dano Zero, avec nos propres ajouts, d'accord. Oui, absolument, Sonic Boom, un haïku, c'est une sorte de poème en japonais, je suis pas très fort sur le sujet, mais je pense que c'est ça. Alors je continue avant qu'on démarre, donc c'est ça, 2007, Google Summer of Code. Donc pour ceux qui savent pas ce qu'est le Google Summer of Code, tous les ans en fait, Google, alors on peut leur reprocher plein de choses à Google, mais en attendant ça c'est quand même un truc de pété, tous les étés, ils payent des jobs étudiants pour que des étudiants travaillent sur des projets open source, divers et variés, NetBSD en a profité, FreeBSD en profite, Linux sous divers aspects en profite, bref, il y a plein de projets dans le JSOC. Si vous connaissez, là c'est trop tard là pour l'été évidemment 2022, mais si vous connaissez des étudiants qui ont la vibe et qui ont envie de travailler sur des projets open source, regardez ça parce que c'est vraiment vraiment très cool. Et donc je ne savais pas que Haiku avait profité d'un GSOC, peut-être d'autres d'ailleurs. Et dans le GSOC, il y a eu la pile Firewire de FreeBSD qui a été en partie portée, une application de configuration graphique de la couche réseau, une application gérant l'installation de la désinstallation d'applications, algorithme de pré-cache, plusieurs développements de la pile USB, un ordonnanceur O1, plusieurs développements sur la pile réseau, et donc le développement continue. Il y a eu une alpha en septembre 2009, R1 Alpha 2 en 2010, R1 Alpha 3 en 2011, R1 Alpha 4 en 2012. Fast forward, le 10 juin 2020, Haiku R1 Beta 2. Et aujourd'hui, on va
essayer Haiku R1 Beta 3 qui a été lancé il y a un an à peu près, le 26 juillet 2021. Voilà. C'était une petite intro, mais je pense que c'était nécessaire de faire la liaison. Emmanuel qui dit, plus ou moins depuis le début du programme GSOC en fait, mais pas tous les ans. Bah, un peu comme NetBSD, ouais. MMN qui ajoute, il y a eu d'autres tentatives de créer BIOS, dont BlueIdeOS basé sur Linux comme noyau, mais ça a fait long feu. Une autre tentative avait essayé un noyau BSD. Alors ouais, j'ai vu que le noyau de Haiku, c'est un truc que je connais absolument pas qui s'appelle NewOS. Donc, j'ai été voir ça tout à l'heure. Je ne sais pas ce que c'est. Alors le repo GitHub est un petit peu, comment dire, tu vois, 16 ans, 14 ans, 19 ans, machin. Donc je sais pas, vous l'avez forqué, enfin j'imagine que vous utilisez pas des trucs d'il y a aussi longtemps. Mais donc, alors j'ai été regarder un petit peu, alors très rapidement. Ouais, 18 years ago. Alors j'ai été regarder un petit peu, c'est. Enfin, c'est. Tu vois, il y a. Alors je savais pas que vous êtes au format ELF. Ce qui est pas con, hein. Donc voilà, on a du code C de bonne facture. Tiens, qu'est-ce que j'avais été voir? J'avais été voir. Je crois que c'était dev.c. Voilà, enfin c'est propre, c'est bien fait, il n'y a pas des masses de commentaires pour être honnête. Mais voilà, c'est. Et puis il m'a pas l'air dingue en termes de grosseur. Tiens, UV4.c, tiens, ça peut être intéressant ça. Ah tiens, ça peut être cool ça. Oui, c'est là-dedans que Stufur se perd. Hein? Que Stufur se fait découper. Eben qui dit. Ah, ok, il a été forqué. Tu parles du kernel. Sinon, il existe encore une utilisation commerciale par TuneTracker qui propose des solutions de diffusion de radio. RTN Online tournant dessus. Oh la vache. Oui, je pense qu'on regarde tous sévèrement Rancune. Ok, donc voilà pour le plantage du décor. Donc, vous avez tous compris maintenant pour quelles raisons ceci était la cover du live d'aujourd'hui. En réalité, Haiku, c'est la réimplémentation la plus fidèle de BIOS R5, si je dis pas de bêtises. Ou R1, non, je sais plus, attends. Aide-moi, MMUman. ShowOS de boot. Attends, j'arrive. Tout est prêt pour ça, normalement. Alors, attention, hein. J'ai préparé, mais j'ai pas triché. Que j'ai pas booté, j'ai juste vérifié que le KVM fonctionnait et que ça démarrait, c'est tout. Human qui dit, il y a aussi une boîte allemande qui propose des systèmes de vidéo, genre fausse télé dans les boutiques avec news, stickers et tout, qui avait payé plusieurs devs pendant quelques temps, mais ils ont fermé. Bon. Ok. Donc ce que j'ai compris, c'est que les versions R1. Alors je pose la question là, MMUman. Ce que j'ai compris en lisant les différents articles, etc., c'est que les versions R1 de Haiku avaient pour objectif de répliquer fidèlement la dernière version de BIOS. Que si je me trompe pas, c'est la version, c'est la R5, c'est ça? Je me mixe peut-être, hein, dans les noms de release, hein. J'ai lu ça rapidement ce matin, c'est ça, ok.
Et qu'apparemment, Haiku R2 va focuser à améliorer ou en tout cas à apporter des nouveautés au système. Léa qui dit, franchement c'est dommage que Haiku soit pas plus utilisé, je suis sûr qu'en poste utilisateur, par exemple, des administrations, des bibliothèques ou des groupes, ça peut être utile. Hazel qui dit, il a vérifié que ça démarrait, il n'y a pas booté, c'est pas de la triche. Non mais c'est vrai, hein, c'est vrai. Hein. c'est un Haiku. M-Man qui dit, ah, R1 vise la compatibilité binaire avec BOS et on prévoit de virer ça pour R2. Ah ouais. Ah putain, ok. Alors, on y va. On y va, donc, pour ne rien vous cacher, voilà ce que je vais faire. Donc on va enlever Firefox, voilà. Non, c'est pas ça que je veux montrer. Bah tiens, pourquoi il me montre pas le... Attends. Deux secondes, je prends le bon RxVT, parce que j'ai dû rebooter aujourd'hui, parce que upgrade driver Nvidia, nanana. Alors lequel c'est? Est-ce que c'est celui-là? Non, c'est pas celui-là. Deux secondes, hein, je cherche le bon terminal. C'est lui. Hop. Voilà. Donc, voilà ce que je vais utiliser. Donc c'est évidemment, je vais rebooter ça sur du KVM, enfin QEMU. Voilà. Donc j'ai fait un petit shell script là, start kvm.sh. Et ce qu'on va faire avec... Donc je vais le démarrer avec le flag -s qui me permet de starter en pause. Vous me voyez là, hein, vous voyez le terme. Hein. Attends. Le film qui dit dans la fac, is there flash support? Not at the moment. C'est une question qui peut être supprimée maintenant, je pense. Bah ouais. Donc je vais démarrer. QEMU en mode pause pour vraiment pas spoil et voir le truc qui démarre avec vous, d'accord. Ensuite c'est moins CD-ROM, où est-ce qu'il est, il est dans ISO Haiku R1 bêta machin, ok, donc c'est celui-là. Est-ce qu'il y avait d'autres flags que je voulais mettre? Je pense pas. Donc il y a ça, c'est bon, ça c'est bon, -s. Je pense que c'est tout. Donc j'ai mis 2 gigs. Je pense que c'est amplement suffisant. Je vais maintenant. Donc ça normalement il s'affiche. On va voir. On y va. J'y vais. Hop. Ah c'est bon. Ok. Donc là je suis. Là c'est un KVM, enfin un QEMU avec KVM enabled, mais en pause. Ok, donc là, je découvre littéralement avec vous. On est prêt, on y va. Bah putain, il me l'affiche pas. Quel bâtard. Non mais c'est fou ça. Attends. Ça c'est quand même dingue. Bon attendez, il se passe rien. J'ai juste un écran d'invite. Attends. Bouge pas. Alors, non, où est-ce qu'il me l'a mis ce con? Il est là, voilà. Hop, voilà. Donc j'ai booté là-dessus. Je suis là. Vous voyez ou pas? Ok, j'ai... Ceci qui... alors, première chose, je trouve que c'est joli. Oui, non mais le boot, laisse tomber. Hein. C'est une seconde, hein. Alors c'est effectivement de toute beauté, donc voilà, la scroll bar fonctionne rapide, nanana. Bon je vais rester en US, et donc on va try, ok je suis en mode CD-ROM, sérieusement Léa c'était instantané, bah justement en fait ça a été tellement rapide que ça a fait glitcher OBS, et il a perdu la fenêtre, donc voilà, alors on y va. Donc try out. Donc j'ai cliqué et immédiatement il y a un bureau. Non j'ai pas eu de message, j'ai pas eu de DMSG, ça a été bim direct, il y a eu une espèce de splash screen avec plein de petites icônes et immédiatement derrière j'ai eu ce message là.
Ok. Putain, hey, j'ai l'impression d'avoir un nouveau jouet. C'est trop cool, franchement. Ok, alors voyons, qu'est-ce que c'est que ça? Hey, je vous jure, c'est ultra réactif. Je sais pas si on se rend bien compte là, mais c'est ça blast. Tac tac, clic clic. Ok, alors moi, le premier truc que je vais chercher là. Est-ce qu'il y a un shell? Attends, espace ou shift au boot pour voir le menu. Ah ok, d'accord, je savais pas. Oui, alors déjà, vous notez la grosse différence avec Heard. Enfin, une grosse différence avec Heard de la semaine dernière. C'est que là, ça a démarré. Donc ça, déjà, on est commande opt T. Alors, là, je suis sur en commande opt T. Est-ce que ça va être, par exemple, contrôle shift T? Ça marcherait, ça? Non. Parce que je suis sur un menu en haut. Alors, attends, menu en haut, c'est lui, là? Ouais. Alors, attends, tiens, fais voir, about. Ça fait quand même méchamment penser, tu me diras, c'est normal. Au screenshot de bio, je vous jure que c'est super beau visuellement. Hein. Les fontes sont belles, l'anti-aliasing est super beau. Enfin, je sens vraiment, mais extrêmement slick, tu vois. Alors on y va. Sachant que j'ai mis 2 gigas, hein, à mon avis c'est largement mount. Et ça fait find. Ok, bon, ouais, j'imagine que c'est un find. Ça on jouera après la death bar préférence. Si j'imagine tu peux. Ah, mais parce que en fait, ouais, c'est le concept du dock. Ouais, j'imagine ça doit être dans application terminal, ouais. Mais c'est un peu le doc de OS X en fait. Tiens, une bonne question de Léa. C'est quoi le minimal requis? Et est-ce que... Oui, alors je suis d'accord, Antoine, juger l'anti-aliasing dans une VM, c'est pas terrible, mais... Comment ça, vous voyez pas le doc? Bah non, mais tout... Bah si, Non, ce que je dis, c'est que ça... Là, le tout ça là, ça, j'ai l'impression que ça sent le doc, de Next et plus tard d'OS X quoi. Alors vas-y, on va aller application. Putain, il y a pas mal de trucs. Allez, terminal, ça on est obligé. Ah là déjà tout de suite, je sens que je peux faire des choses. Le Finnois qui dit, la grosse question, est-ce que ça supporte plus de 2 gigs de RAM? Oui, alors rapport à la semaine dernière avec Heard. MMUman, est-ce que on peut avoir des machines avec genre blast de RAM ou pas? Alors déjà, oui, je suis en 64 bits là. Ah oui, gros truc les amis. Parce que vous vous rappelez la semaine dernière? Enfin, en gros, Heard, il y a une version 32 bits. Voilà. Et voilà, et c'est tout. Ok. Ouais, je suis d'accord. S9 et Sonic Boom, terminal fond blanc. Faute de goût. Mais bon, je comprends. Pour des raisons d'homogénéité. Est-ce que bouton de droite? Non, tiens. Settings. Alors, size, ok. Settings, vas-y. Oula, attends, là, je vois rien. Un color scheme professional. Tiens. Faute de goût, oui et non. Parce que quand tu mets color scheme professional, du coup, c'est en noir sur blanc. Enfin, en blanc sur noir. Ah, par contre, ça clignote, ça me saoule. Ça, les curseurs qui clignotent, ça, c'est pas possible. Alors, est-ce qu'on peut. Tiens. Ça me plaît, hein. Voilà. Alors, est-ce que je peux faire ça? Oui! Attends, ça a grandi ou pas? Ouais.
Tu peux faire ça ou pas? Non. Ah déjà c'est bash. Alors, est-ce que j'ai l'équivalent de... Ah, est-ce que j'ai un Varlog? J'ai un Varlog. Et j'ai un Varlog Syslog. J'ai un Tail. J'ai un Cat. Ouais. L'air de rien, la molette de la souris fonctionne. C'est des trucs tout cons, hein. Mais bon, ça fait plaisir, tu vois. Apple Computer, il dit, le fond noir veut donc dire que tu es un pro. Attends, il y a eu des réponses là sur l'histoire de 2 gigs là. Alors attends, Human qui dit, les premières versions de BIOS avaient un vrai dock sur toute la hauteur, tiens tu vois. Rolling Phoenix il dit donc qu'il y a une version sans BIOS, ok. Le terminal fond blanc, ok. Hardware Ask qui dit l'USB fonctionne. Bah écoute, oui, parce que je suis en mode USB avec tablette USB machin là pour qu'il catch la souris quand je passe dessus. Si Black VQ transparence, non, je pense pas qu'il y ait. Est-ce que non, franchement, je pense pas qu'il y ait de la transparence. Non. Non. Non, mais ouais, je suis pas surpris. Oh, peut-être que Mumen va me dire le contraire, mais. Est-ce que c'est porté sur Raspberry ou Arduino? Est-ce qu'il y a une version ARM, Mumen? Alt entrée pour le full screen. Ah, stylé. Ah, ifconfig. Tiens, pas con ça. Eh oui, ifconfig. Avec. Parce que je lui ai passé effectivement en paramètres. Donc, attendez, ça c'est super important. Ça veut dire que, parce que je l'avais lu, et c'est pour ça que je l'ai activé. Ça veut dire que Haiku supporte parfaitement le Virtaio. En tout cas en réseau. Et ça c'est quand même très très classe. Tu vois ? Bon, oh là là, elle a du réseau et tout. Attends, vas-y, il y a un browser. Il n'y avait pas un browser là, net, je sais pas quoi. Ah, web positive. J'imagine vous avez dû le renommer. Ouais, voilà. Eh, mais ça claque ou pas? Tiens. Par défaut, hein. Ok. Non, mais je m'en fous de ça. Eh, il est pas mal, hein. Vas-y. Eh, franchement, le rendu, il est ok ou pas? Ok, attends. Eh, donnez-moi un site bien pourri, là. Ah oui, tiens, voilà. Très bien. Acid test. Vas-y. Acid 3. Acid. Non. Acidtests.org. Pourquoi? Non, acid. Ok. Franchement, on n'est pas trop mal, non? Waouh, c'est quoi Ah, c'est du WebKit. Eh, mais sérieux, mais ça fonctionne de balle. Et franchement, regardez, ça lag pas, c'est super slick, quoi. Ah, attends, on continue. Donc là, attends, ifconfig, qu'est-ce qu'on a là? Curieux là. Ah tiens, c'est marrant, c'est que des liens. Ah, c'est rigolo ça. Bon, vas-y, il faut que j'aille voir ETC, hein, c'est obligé. Mais c'est rigolo ça, c'est quoi cette histoire de liens là?
Ah, c'est pas ça les services ou je sais pas quoi là. J'ai lu un truc là-dessus là que. Attends, c'est rigolo ça. C'est ça les. Ah, comment ils appellent ça, attends. Des kits. Ah, la partition racine est montée sur slash boot. Ah, d'accord, ok. Les FS sont dans le noyau. Ok. Ok, ok. Alors, attends, moi, je vais aller regarder ce qui se passe dans le TC, là. Donc. Bon. Juste pour la forme. Ok. Ah, bah tiens, SSH. Mais ça claque ou pas? Non, Olive qui dit Acid Test donne un 94% avec Firefox ou Debian. N'empêche, le petit raffinement. Je sais pas si vous faites gaffe, mais le prompt de Bash, il gère le retour d'erreur, genre truc en rouge si ça s'est mal passé avant. Il y a une espèce de petite, tu vois, petite touche d'attention à chaque fois là, dans ce qu'on est en train de voir, qui est très agréable. Ok, alors, et puis pas grand chose, hein. On fait voir là-dedans, là, qu'est-ce qu'on a là. Ouais, y a pas grand chose, hein. C'est quoi s'il se laisse bon, 4. Ok. C'est quoi qu'il y a là-dedans là? Slash haiku. Packages. Vous avez un système de package MMM? Attends, le plus gros est dans slash system settings. Ok. Slash system settings. Ok. Package repository. Hey. Ouh, dis donc, regarde-moi ça, Haiku Ports. Ok, alors ça. PKG Man. Merci Kedari. Mais tu connais Kedari, t'avais déjà joué avec? Ah, parce qu'attendez, je vous montre. Ah ouais, attends. Pour ceux qui veulent pas downloader une image et tout, il y a Kedari tout à l'heure sur Twitter, il a balancé un truc. Genre moyen de tester dans une enfin dans votre browser. Regardez. Attends, je vous mets le Firefox. Hop. Bah alors. Eh mais tu me casses les couilles toi. Ah oui, il faut que je cache le. Putain, t'es relou toi. Voilà. Tiens, on va mettre ça sous Firefox comme ça. Voilà. Donc voilà. D'ailleurs, au passage, pour ceux qui suivent pas Kedari, je vous enjoins à le faire parce qu'il poste des choses très très intéressantes. Et tout à l'heure, il a posté un lien qui permet de tester Haiku dans son browser. Ça claque ou pas? Franchement, ça va. Hein, pour un truc dans un browser, on va pas se plaindre. Hein. C'est stylé, non? Bon, là, il y a mon CPU, il est pas content, par contre. Mon CPU, il est pas content. Donc, on va revenir sur... Ah, merde, il a pris mon... Attends, comment je fais pour sortir, là? Comment je fais pour sortir ma souris, là? C'est quoi le screenshot? C'est quoi le... Escape? Ok. T'écris où? Alt F4, t'as raison. Mais pourquoi on n'en parle pas plus? C'est du bel ouvrage, mais c'est clair. Ok. Ouais, c'est bon. Live. Et donc, je reviens sur l'OS en tant que tel. Ok. Donc, on m'a dit PKG Man. Dis-moi, MMU Man,
Pourquoi vous n'avez pas utilisé packaging comme tout le monde? Je suis fatalement subjectif et j'assume totalement. Voilà. Alors, qu'est-ce que ça fait? Pardon. Qu'est-ce que ça fait? Tiens, PKGman Update. Ah la vache! Ah merde! Ah mais il y a masse de trucs, putain! Attends, je vais pas update parce que je suis dans un live CD là. Mais Attends. Est-ce qu'il y a un truc genre PKGman List? Search moi A. Olive, PKGman installe le Binou. Allez, vas-y, on essaye. PKGman installe le Binou. Non, il y a Go et Rust, sérieux? Putain! Il mange combien en RAM? Bah écoute, tiens, attends, il y a Free, t'as raison. Non, il n'y a pas. Comment on sait là? Bah remarque, regarde là. Là, je suppose que c'est un truc qui donne l'état de la RAM et ce genre de choses. Memory usage. Putain, trop classe. Eh, vous avez vu? Ah mais y a, ça prend rien là. Et CPU usage. C'est extrêmement léché. H-top. Est-ce qu'il y a H-top? Merde. Non. Alors vas-y, PKGman install, H-top. Non. Top. Non. Parce qu'il y a... Mais il y a top. Voilà. Alors il y a top, mais c'est une version un peu custom, quoi. Je suis assez impressionné, hein. Je veux dire, il y a un browser qui marche, il y a SSH. Attends. Ah ouais, attends, j'ai pas essayé un truc. Ça va être le test absolu. Voilà. Ah ouais, tiens, on essaiera après, t'as raison, Léa. PKG install VLC. Bon, ça rame, mais c'est peut-être parce que Virtaio machin. Hein. Ou pas. Il a pas l'air super content là. Ok, là, il a... Je suis désolé, hein. Mais il a l'air craché. Man, il dit YouTube, ça a eu marché. Je suis pas sûr que ça marche encore. Ils changent tout le temps leur bazar. Ouais, bah là je pense que... Ah. Je sais pas pourquoi ça a galéré de ouf. Bon, vas-y, on va accepter all, là, on s'en fout. Non, c'est bizarre, ça a galéré de ouf. Mais peut-être que, pour le coup, j'ai peut-être pas assez de RAM, là, pour... Enfin, j'ai peut-être pas mis assez de RAM sur la VM pour aller sur YouTube, quoi. J'ai 2 gigs. Non, mais oui, attends, ouais, voilà, c'est ça, Sonic Boom. C'est peut-être moi qui suis un peu violent, là. Hey, MMHuman, t'es d'accord ou pas? C'est peut-être un peu short, là, en 2 gigs pour YouTube. Ouais, à mon avis, c'est ça. Le truc qui galère à cause de ça. C'est ma faute. Je vais fermer. Eh, ceci dit, vous avez vu? Le browser, il était en train de galérer. Et vous savez comment ça se passe sur nos OS de base, si jamais votre browser, il est en train de galérer, en train de se taper toute la RAM et tout machin. On va galérer à le fermer, à reprendre la main et tout. Là, c'était direct. Hein. Donc...
Ok, ce que je vous propose, je vais le restarter avec 4 Go. D'accord ? Attends, on va fermer ça. Et là, on va mettre 4 Go. Voilà. Vous allez peut-être voir le truc là si je le unpause. Ah, c'est bon, là vous le voyez. Voilà. Bah c'était ça. Vous avez vu? Vous avez vu la vitesse du truc? Brrra. Franchement, ça déboîte. Ça déboîte. Franchement, ça déboîte. Ok, alors on y va. Donc, je retourne, je reprends le browser. Là, normalement, j'ai... Est-ce que je peux voir là si j'ai 4 Go là? Memory usage. Non, viens. Hop. Memory usage. Où est-ce que je vois toute la RAM que j'ai à dispo là? Attends, bouge pas. On va aller sur application terminal. Ça marchait pas, Freemoise à main, ça. Ouais, voilà. Top, ça marche pas non plus pour la mémoire. Non. Activity monitor. Ah, about system. Ok. Ah, bah ça, ouais, 4 Go. C'est bon. Je trouve ça extrêmement stylé. Ah, 6 infos. Ah, c'est cool ça. Ah oui. Et je vous jure, je trouve ça bien. Je vous jure, je trouve ça bien. Et je suis en train de me tâter là. Prends ça, le Herd. Mais laisse tomber. Qu'est-ce que tu compares? On est d'accord, ça claque, non? Allez, vas-y, le test là, le test ultime, c'est YouTube. Parce que si on n'a pas si on n'a pas de vidéo, on est dans la merde. Léa qui dit Haiku est supérieur à BIOS. Pardon. Bon, ça a l'air de galérer quand même, hein. On devrait envoyer un CD de Haiku à Stallman. Bah ouais, t'as raison, ouais. Le pauvre. Bon, ça galère. Hein. On va voir comment ça va se passer après, là. Mais là, sur YouTube, il galère. Ça, c'est un gros truc, quand même. Léa qui dit, après, c'est peut-être un problème dans une VM. Je sais pas, là... Ouais, il y a un seul CPU, je peux en mettre deux. Hein. Bon, voilà, allez. Tout à l'heure, qu'est-ce qu'on avait dit? On avait dit accept all. Bah là, je vais dire reject all. Ah, ça, le truc, tu dis reject all, an error, has occurred, machin. Ok, bon, accept all dans ce cas-là. Et là, tu vois, quand je fais ça, il y a mon CPU là qui mouline. C'est pas faux, Sonic Boom, qui dit Haiku, un OS pour la productivité, il te laisse pas glander sur YouTube. C'est vrai. Alors, si je réessaye là d'y aller. Ah non, c'est pas... Non, là pour le coup, YouTube, c'est pas un succès. Muman qui dit, la première fois que j'ai croisé RMS, je lui ai demandé pardon. Parce qu'on dit pas GNU Haiku, mais en fait Haiku, c'est l'OS tout entier. Et il dit, eh bien, si tu peux donner un nom à ton noyau comme Limerick et appeler ça GNU Limerick, bah, ou sinon tu peux te faire enculer aussi. C'était au RMLL 2008. Oui, mais bon. Ok, j'essaye Dailymotion. Attends, Rolling Phoenix CD sur ma VM avec 4 CPU, j'ai le même comportement. Ah, fuck. Ok, Muman qui dit le problème avec YouTube, c'est, je crois, le flux en blob qui sont pas encore supportés. Bon, attends, en tout cas, il est arrivé. Donc, des trucs extrêmement intéressants, hein, sur YouTube, vu que je suis pas logué, voilà.
Tiens, on va aller là. Point, 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 point. Alors attends, attends. Attends, on va essayer un truc. On va essayer un truc. On va essayer PKGman installe ce que disait tout à l'heure Léa, VLC. Eh! Non mais ça tabasse quand même, il y a VLC. Oh joli la petite progress bar machin là. Bon par contre, à la quantité de package qu'il a installé, je pense qu'on se revoit demain. Bon, faut voir si tout est gros comme ça. Ah mais c'est parce qu'en même temps il fait son upgrade ce petit bâtard. Bon, on va laisser faire un peu là. C'est joli quand même, hein. Non, c'est vraiment joli, hein. Tiens, on peut faire des tabs. Ouais. Eh. Non, mais en vrai. En vrai, c'est pas mal, hein. Et il y a des thèmes. Attends, vas-y. Voilà. Démo. Playground. New object. Ok. Desktop applets. Ah tiens. Preferences. Ah moi j'aime bien Preferences. Ah vas-y, 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 vas-y. Alors attends, attends, screen. Ah bah voilà, ça c'est pas mal. Ah putain! Oh bah là je vais pas le mettre plus parce que sinon vous allez rien voir, mais Ah, attends, 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 il y a des workspaces. Comment on change de workspace? Ça, c'est vraiment. Vous savez ce que je trouve un peu bluffant, c'est que je trouve super réactif en fait. J'ai le sentiment, au feeling, que. Alors je sais pas ce que ça donne d'un point de vue kernel, d'un point de vue séparation des tâches, etc. Mais par rapport à un Linux, et même par rapport à d'autres systèmes, j'ai le sentiment que les process sont extrêmement bien isolés. C'est-à-dire que là, il y a du bordel à côté là où ça donne des packages, machin. Et à côté de ça, tout ça est extrêmement fluide et fonctionne à part, quoi. Il y a moyen de voir le kernel, demande Tirbidon. Bah, ouais, c'est. Tout à l'heure, on en a parlé, là, c'est le fameux NewOS. Milis qui dit, c'était le truc pour épater les copains, plusieurs vidéos en même temps, plusieurs MP3 en même temps, sans lag. Bah. Le son, alors je ne sais pas. Là, je suis dans une VM, j'ai rien configuré en termes de son. Human qui dit, regarde dans Process Controller, le noyau et App Server ont plein de threads. Alors c'est où ça, Process Controller? C'est dans App? Non. Ah, en haut? Ici? Oh la vache! Putain, j'avais pas été dans les trucs. Ok, ça déboîte. Wow! Ok, ça casse des culs. Ah non, mais ça casse des culs, hein. Ça là, alors attends, blague à part. J'aurais eu un truc comme ça cette semaine là pour débugger une connerie que j'avais sur au boulot là, ça m'aurait sauvé la vie. Ah non, ça c'est ultra cool. Wow. Ah non, ça c'est cool. Ah non mais c'est défonce. Genre les kernel threads.
Alors ça défonce. Mais ouais, exactement. T'as raison, Léa, c'est du monitoring plus plus. T'as la galère que c'est pour avoir ça là? Sous Linux, je parle. Sous NetBSD, FreeBSD, tout ce que tu veux. Si tu peux, avec des softs, machin, enfin. Mais là, c'est juste out of. Franchement, c'est chouette. Power saving. Qu'est-ce qu'il y a dans power saving? Ah, attends, il me dit que là, je dois rebooter. Bah, c'est parce que. Bah oui, mais. Je dois rebooter, mais non, parce que je suis dans un live CD là. Donc, de toute façon, t'as pas pu. Tu veux, t'as pas inscrit là. Par contre, est-ce que t'as installé VLC? VLC. Ah merde! Ah, application. Bah alors? Il a mis ton install VLC? Bah non. Oh, c'est quoi? Ok, où est-ce qu'il installe les trucs? Attends, qu'est-ce que vous dites là? Ok, tous les logiciels de monitoring que je connais sont très limités par rapport à ça, bah tu m'étonnes. Le Finnois qui dit les applis GUI, on les développe en quoi? C, C++, autre. Bah, je suis curieux de savoir, j'ai l'impression que c'est C++ moi. Kiter Sosé qui dit il n'y a pas une histoire de droit d'accès pour modifier les propriétés du kernel, je sais pas. On peut recompiler le kernel. Bonne question, Tribidon. Salut Carbex. Laurent qui dit si t'as un système qui spawn plein de process, genre en cours de compile, ça doit être un joli sapin de Noël. Certes, mais j'aime beaucoup l'idée de pouvoir me balader dans les threads du kernel, savoir qu'est-ce qui est en train de consommer au niveau du kernel. C'est vraiment extrêmement classe. S9 qui propose un rehash. On va essayer. Avec un bash rehash. Emman qui dit l'un des trucs pour avoir une interface fluide. C'est le multithreading dans les applis. Chaque fenêtre a sa boucle d'événements dans un thread séparé. Et oui, mais si tu lis certains articles de développeurs modernes, entre guillemets, et ben les threads c'est très compliqué, c'est beaucoup trop compliqué. Salut la deck, bon après-midi à toi. Et programmer des threads, bah c'est trop dur. Alors du coup, c'est mieux avec Node.js et puis d'avoir un processus qui fait un truc en async, machin. Bon, bref. Alors attends, est-ce que dans Application j'ai quelque chose? J'ai pas l'impression. Applications. Maintenant tu vois, je l'ai pas. Pourquoi je l'ai pas? Quoi vision? Oh putain! Un client IRC. Oh les amis. Voilà, là on est obligé. Ah on est obligé, on est obligé. Ouais, mais si, ouais, en fait, ce que dit MMHuman, c'est que ça foire parce que c'est un live CD, mais oui, c'est très probable. Allez, voilà, c'est obligé. Donc là. Alors ouais, par contre, on n'est pas sur le bon réseau. Est-ce que je peux faire serveur libera.chat? Non. C'est quoi alors? Slash help serveur. Non. Slash serveur help. Non plus. Non mais je vais pas me connecter hein, non plus. Hein. Attends. Bah oui, screenshot obligatoire là. Attends. Comment ça marche? Dash connect peut-être? Ouais. Dash connect. Libera.chat. Bon, tu commences à me casser les couilles. Vas-y, serveur. Connect to. Vas-y, setup. Network setup, voilà. Ok, je suis pas... Ah, de nous voilà. Donc, libera.chat. Ok. Add
libé, mais arrête, era.chat. C'est pas facile avec un micro en plein milieu. Hein. Libera.chat, je pense que c'est ça. Ok, primary. Voilà. C'est un bâtard. Add. Non. Ah non, ça c'est automatique. Ok, ok. Non, mais c'est bon. Ça devrait être bon là. Ok. D'accord. Mais pourquoi il me le met pas, putain ? Bon, je suis un peu mongol avec les. Avec les trucs graphiques, hein, vous savez bien. Non. Vas-y. Slash serveur. Et un. C'est en train de me casser les couilles. Parce que tu peux avoir plusieurs serveurs pour un réseau IRC. Là, t'as fait le réseau, faut ajouter le serveur. Ah merde! Ok. Non. Comme ça c'est fait. Auto connect, tout bien, on va faire ça. Pourquoi il m'a lancé ça? J'ai dû cliquer sur un truc. Attends, je vous ai perdu là. Retour dans la config, il coche use defaults pour personal info, ok. Ah, trop tard. Non. Ah mais attends, mais je fais n'importe quoi là. Là, je fais n'importe quoi. Vas-y, use default, voilà. Hop. Voilà. Ça c'est bon. On s'en fout. Ok, et là maintenant. Mais, ah voilà, ça y est, c'est bon. Ok. Ah merde, c'est pas 6607 ? Libera.chat 6607. T'en blague si, non ? Bah évidemment que je veux join GCU, mais... Mais bon, il a pas l'air de vouloir... C'est pas 6607 Non, mais Libera Chat tout court, ça marche, non? Attends, bouge pas. Pas ça. Alors, dès qu'il y a trop de boutons, moi, ça y est, je suis perdu. Hein. Là. On va changer. On va mettre irc.libera.chat. Voilà. Ok, tagadac, autoconnect. Vas-y. Connect. Ah non, mais c'est parce que là maintenant il y en a deux.
Ah tiens, ça y est, ça y est. Ah, ça y est, ça y est, ça y est, ça y est. Donc slash nick. T'avais raison, Léa. I mi li cou. Voilà. Ah merde, closing link. Ouais, mais là c'est relou là. Nanana, ça... Ah bah oui, mais alors... non, alors là ça va être relou. Non, laisse tomber, laisse tomber. Non, bah non, mais je vais pas montrer mon pass. Bah non. Ah là, c'est bon, j'en ai pour 1000 ans de setup. Voilà, faut que je setup le. Non, non, c'est bon. En tout cas, ça marche. Il y a, y a du chat. Il y a un IRC. Il y a du réseau. Bah non, mais parce que ça va être relou là. Tu vois, c'est parti là. Non mais c'est bien, mais évidemment que c'est bien, mais il faut... Ah non mais c'est pas mes règles, tu rigoles quoi, c'est, ça a rien à voir, c'est Liberachat là. Tu peux lancer un gnou dans Haiku. Ah bah je sais pas, hé hey, Nidouille. Eh t'as vu, c'est un petit peu différent de... Ouais tiens, PKG man install hier, ça si, c'est pas con ça. Il est où mon terme? Dégage toi. Allez. Ah, regarde comment ça claque, t'as vu Nidouille? PKG man, search. Ah mais non, mais ça installe pas, ça installe pas. Ah, parce que c'est en... Ah putain, t'as vu, il y a. Bah, je vais quand même essayer. Mais ça installe pas finalement les trucs. Parce que c'est un live CD, je sais pas quoi. Vas-y, on va essayer. Non, il installe pas, putain. Putain, c'est dommage ça. Bon, ceci dit, il y a un package manager qui a l'air de fort, fort beau gabarit. Et donc là, ici, ça empile les apps fonction de ce que tu lances, quoi. Si j'imagine, hein, application, fais voir, il y a un PE. Ah, putain, il y a une livrée manquante. C'est pas dramatique. Franchement, là, si c'est que ça, là. Voyons voir. Installer. Donc ça, j'imagine que ça installe l'OS. Avouez que c'est quand même... Ah tiens, attends. Je retourne sur les préférences, parce qu'il y a des trucs cool. Tiens, network. C'est marrant parce que y a un espèce de tout petit feeling d'OS X, mais avec voilà une approche différente quoi. Mais tu sens qu'il y a, un petit peu d'OS X derrière. Qu'est-ce qu'on va voir là? Tiens, email. Ah bah tiens, il y a quoi comme appli d'email là-dedans? Mail. Propre. Putain, c'est marrant, ça me fait penser. Ah oui, il y avait une appli, vieille appli, sous Linux. Mais je vous jure que tout est ultra rapide. C'est ça qui est choquant en fait. Rien. Tout est ultra rapide. Bonne Sunday X, il y a un programme gourmand en calcul. Oui, non, mais je sais que c'est probablement effectivement à cause de la tentative de mise à jour. Mais là, je voulais pas perdre de temps, tu vois, à l'installer, machin, sur un vrai disque et tout. Je voulais vraiment essayer le truc, quoi. Et Mimman qui dit en même temps, Bi a été fondé par un ex de chez Apple. Oui, voilà, non, mais absolument. Non, mais c'est pour ça que je dis ça. Hein. C'est parce que tu sens quand même qu'il y a quelques trucs qui sont. Oui, non, mais c'est ça. 4h30, Léa dit. J'ai promis qu'on allait amener Tarzan à la plage aujourd'hui. C'est exactement ça, Nidouille. Jean-Luc Gasset, c'est ce qu'on... En fait, on a fait un petit historique au début de la vidéo.
Et on a parlé de tout ça, de la relation entre entre Bee et Apple. Oui, c'est ça. Non, mais il le sait pas encore. C'est ça le truc. C'est Tarzan ne sait pas encore que qu'on va à la plage. Enfin, qu'il va à la plage. Bon, écoutez, je vais vous dire que je suis extrêmement impressionné. Je suis extrêmement impressionné par par la qualité. C'est super fluide. Et on s'en rend pas forcément compte là quand on est spectateur du truc, mais je sais pas, ça vraiment ça va vite. Je suis curieux. Oui, mais grave. Bravo MMUman et ses collègues. Tu as tout à fait raison, Léa. Parce que c'est impressionnant. Et j'avais une question. Salut René, bon après-midi à toi. Ouais, mais pareil, moi j'aurais bien envie de le tester en bare metal. Enfin, peut-être sur un laptop ou un truc. Non, j'ai deux questions. La première, est-ce qu'il y a des thèmes? Genre, tu vois, pour changer la gueule de ton Windows Manager, machin. Et ça, j'ai pas trouvé de réponse là en 2-2. Et deuxièmement, ça donne quoi le support du Wi-Fi? Parce que. Bah, par exemple, tu vois, une Carbes qui demande un antivirus. Je pense qu'on est relativement safe. Tu vois, un Haiku Appearance. C'est où ça? C'est dans les préférences? Ah oui, Appearance. Ah. Look and feel. D'accord. Donc là, on peut avoir le look full B, quoi. Il est stylé. Il est. Sinon, Theme Manager gère les thèmes complets, mais il faut l'installer. D'accord. Et alors, donc. Ouais, alors, Laurent qui dit pour le Wi-Fi, si j'ai bien suivi l'intégration récente de plein de drivers venant d'OpenBSD. Ouh. Ça, c'est bon, ça. Attends, il y a le Finnois qui poste un lien. Port statut. Bah, tiens, voilà. Ouh. Attends, je vous mets ce que vient de mettre. Que vient de mettre le Finnois. Hop. Ah oui. Donc, x86 est tier 1, normal. ARM est tier 2. Armson 4 tire tout. Putain, il y a quand même pas mal d'archi supportés. Hein. Ça claque. Hein. Ah là. Ah merde, non, application server fonctionne pas. Mais tu vois, le Raspberry est. Il est dans le. Bon, ok, c'est du tire tout, mais il est dans la liste. Vraiment très surpris et très impressionné. Man qui dit oui, car FreeBSD est moins à jour maintenant sur les pilotes Wi-Fi, donc on a. Oui, on est passé à ceux de. Oui, bah après tout. Et c'est vrai qu'OpenBSD sont généralement super en avance sur le. Enfin, ils ont des drivers de très bonne qualité, je le sais, parce que NetBSD se sert très largement dedans aussi. Donc. Et Human qui rajoute, on a une couche d'émulation pour reprendre les pilotes directement. Ah, excellent! Ouais, franchement, très très sympa. Très 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 sympa. Je renouvelle les applaudissements et les remerciements à MMUman d'avoir été parmi nous, parce que du coup il a donné plein d'infos qu'on n'aurait pas eu sinon. Donc ça, c'est vraiment très cool. On avait un énorme guest parmi nous aujourd'hui. Donc merci à toi MMUman. Si ça t'intéresse, parce que j'ai vraiment l'impression qu'on a beaucoup plus à découvrir encore sur ce système là.
Laurent qui dit maintenant on veut la démo du laptop 10 000 sous Haiku. Why not? Je pourrais facilement faire un test avec une clé USB. J'ai un laptop un peu versatile comme ça. Donc c'est quelque chose de faisable. Si ça t'intéresse, M-Human, ouais, je serais bien. Oh, Cool Train qui finit le live avec 5 tier 1 en gift. Merci beaucoup, Cool Train. Merci à toi. Et pour tous ceux qui ont reçu le gift de ta part, merci pour eux. Ça fait bien plaisir. Laptop en direct de la piscine, c'est. Alors j'y ai pensé aujourd'hui, mais putain, il fait chaud quoi. Même en direct de la piscine, c'est relou. Donc faut que je trouve un setup. Faut que je réfléchisse à un setup pour le live depuis la piscine. Donc tu me dis, Amiman, si ça te chauffe. On pourrait faire un épisode 2 découverte de Haiku avec quelqu'un qui a les doigts dedans depuis longtemps. Et il fait combien? Il doit faire 35, un truc comme ça. C'est pas la folie, mais bon voilà, il fait chaud quoi. Pour l'IV depuis dehors, c'est un peu compliqué. C'est possible, me dit Human. Bah écoute, je te chope sur Twitter. On en parle. Je pense que la solution la plus facile, ça va être via Jitsi. J'intègre. Attends. Le Finnois qui remet un lien avec un. Donc potentiellement quelque chose de cool. Deux secondes. Oh, creating a package. Ah oui. Alors là, d'un coup, je me demande. Est-ce que package source fonctionnerait sous Haiku? Peut-être. Oui, non mais j'ai essayé un Jitsi incrusté dans Twitch, ça marche, hein, y a pas de souci. Donc ouais, on pourrait peut-être faire ça. La semaine prochaine, qu'est-ce qu'on fait la semaine prochaine? Ah si! Alors j'espère avoir le temps de préparer. J'avais prévu la semaine prochaine de tester Next Step. Non. Windows, ça sera pendant un open bar. Ça, y a pas le choix. Parce que on sait très bien comment ça va se passer. Mais ouais, si j'ai le temps de préparer, parce qu'apparemment, donc Next Step c'est avec un émulateur, il faut plein de trucs spécifiques et tout. J'ai pas encore trouvé d'image, pour l'instant je suis à poil, mais je vais voir ce que je peux faire, je vais voir ce que je peux trouver. Si ok, Nidou, il dit il faut que je te file une URL pour Windows, avec plaisir. Oui, ça, MMU, c'est ce que me disait le Finnois, il faut utiliser Previous. Donc, c'est ça, en fait, l'idée, c'est si j'ai le temps de préparer ça et tout, normalement, semaine prochaine, on se fait ça. Sinon, ça pourrait être ReactOS. Non, mais Tribidon. Windows, c'est pas pour. C'est, on va pas le faire un samedi. Windows, ça va être un truc où je vais être torché et voilà. Ça va être. Voilà. C'est spécial. Ça va être spécial. Ah, tiens, attends. Il y a Human qui balance un lien qui, je pense, va m'être utile pour le live sur Next. Ouh. Ça, c'est bon, ça. Ça, je vais le garder bien au chaud. Merci beaucoup, Emuman. Ouais, ReactOS, je le sens bien. Bah, Twan qui dit je vois pas l'intérêt de ReactOS, bah moi j'en vois un très gros. Je te donne un exemple. Un firmware ou une mise à jour de driver ou je sais pas quoi, comme c'est le cas où aujourd'hui FreeDOS te sauve la vie. Ça peut être très cool d'avoir un live CD avec ReactOS dessus, un live CD ou plutôt une image USB machin. Tu bootes sur l'image USB, tu mets à jour ton truc et tu reviens sur ton OS. Très 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 pratique ça. Voilà.
Bon allez, c'est l'heure de se mettre en route. Tarzan à la plage, c'est maintenant. Enfin, c'est dans une heure à peu près le temps qu'on décolle et qu'on arrive. Puis j'essaierai de prendre des photos et tout ça. Je vous remercie tous énormément pour d'avoir été présents avec moi ce samedi après-midi. C'était très cool, on a été nombreux, j'ai bien kiffé, franchement, je suis très épaté par Haïku. Merci énormément à Mimman d'avoir été avec nous parce que ta contribution a été incroyablement efficace et de bonne qualité, normale quoi, t'es dans le projet. Et puis on stoppe pour faire un épisode 2 avec quelque chose d'un peu plus profond, avec quelqu'un qui connaît vraiment comment ça marche quoi. Je vous fais des gros bisous, bonne fin d'après-midi à tout le monde, bon week-end, profitez-en. Et je vous dis quoi ? Je vous dis tchou. Tchou !